une grâce peut en cacher une autre. Derrière ce micro, le mari de Grâce, derrière cette vitrine, Grâce, vous entendez dans votre dédicace oreille, Grâce Valérie, qui n'est pas la Grâce identique derrière ce micro. La France dans la sainteté, deuxième édition de ce jour. Bonjour et bien installé pour tout le monde, n'est-ce pas? Bonjour, frère. Je crois que dans la première partie, nous avons eu à nous délecter par rapport à ces choses concernant le mariage du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons y revenir de plein pied. Je crois qu'il serait bien, d'étudier groupe après groupe. Je crois que pour le cas des amis de l'époux, dans les Saintes Écritures, c'est vu de façon claire qu'ils font partie de l'ami de l'époux. Là, on peut les identifier clairement dans les Saintes Écritures. Je crois que la chose qui resterait à faire, ce serait de voir qui sont ceux qui sont justement les constituants de l'épouse, c'est qui au juste. Là, il faut qu'on nous trouve du temps. Si le Seigneur permet, on va y en parler. Parce que de peur de parler et que ça fasse du mal aux gens, c'est pas si il permet qu'on nous parlions de cela. Et puis, par la suite, nous verrons également, je ne dis pas nécessairement avec vous, encore moins ici maintenant. Peut-être le Seigneur le permettra plus tard, que nous voyons maintenant ceux qui sont invités. Mais de toute façon, que vous soyez invité à l'annonce, que vous fassiez partie de l'époux, que vous avez partie de l'épouse, ou que vous fassiez partie de l'époux, l'important c'est d'être là, n'est-ce pas, frère? Amen. Mm-hmm. Comme un frère m'avait dit, si doit seulement arrêter la serpille et laver le sol, mais pourvu qu'il soit aussi en train de laver. On est là pour le sol là-bas. Je crois qu'avant que nous entamions dans la deuxième partie, la sœur Paul avait ajouté à la question concernant le cas de la chef de au frère Oswald concernant le cas de la mauvaise race, la livrée. Elle avait posé la question de savoir si pour concernant le diable également. Je crois que ce serait bien que nous essayions cela avant de continuer. Donc la sœur Paul, si tu m'en excuses, parce que quand on parle beaucoup de choses comme ça et puis on en oublie certaines autres. Tu m'en excuses si tu n'as pas entendu ta réponse. Donc j'y reviens maintenant. D'accord? Si tu le permets alors. Avant qu'on avance dans d'autres questions. J'en ai ici. Une, deux, trois encore. Trois questions. Et puis on va en prendre aussi encore plus là. Alors, ouvrons le livre du prophète Isaïe. Lisons quelque chose. Le livre du prophète Isaïe. Je crois que nous avons un problème là avec la connexion là. Une petite interruption. Merci à cette technicien maison. Je crois que nous avons été rétablis là la connexion. Heureusement que j'ai une technicien derrière là. Voilà. Je disais avant que nous ayons cette interruption de connexion, Esaïe au chapitre 14. Quelle femme. Et imaginez que cette femme-ci n'avait pas été à côté de moi. Que ferais-je maintenant là maintenant? Que Dieu te bénisse, Madame Chabda. Esaïe chapitre 14.
Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. Amen. Vous y êtes? Donc c'est juste rapidement pour répondre à notre sœur Paul là par rapport à sa question concernant le diable lui-même. Lisons donc les versets 3 à 20. C'est le verset 20 qui nous intéresse, mais il faut qu'on amène cela depuis le verset 3. Donc, le verset 3 jusqu'au 20. Je recommence encore, c'est le verset 20 qui nous intéresse. On pouvait lire le verset 20 et on répond à la question. Allons-y, verset 3 et suivant. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, « Eh quoi ? Le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de vers, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est ça. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Qui ébranlait les royaumes, qui séduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, lui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une poupouille de gens tués à coups d'épée. Et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de ta race des méchants. De la race des méchants. De la race des méchants. Amen. Relis encore maintenant le verset 20. Maintenant, comme vous avez suivi le contexte totalement, le chant des prophètes, maintenant lis encore le verset 20 seulement. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Voilà. Écoutez-moi maintenant. De qui est-ce qu'on parle dans ces passages que le prophète est en train de parler? Attends-nous la même chose. Lucifer. Mais vous le remarquez qu'on parle de lui comme étant un homme là, n'est-ce pas? Pourtant, vous savez que Lucifer n'est pas un homme. Et ici, il est dit de lui qu'il n'est pas réuni à son peuple. Donc, Lucifer a son peuple. Lucifer a les siens. J'aimerais bien se tenir ici. En tout cas, je crois que le frère Iba doit encore poster encore le péché originel. Il faut que vous écoutez encore doucement. On dit ici que ce monsieur-ci est dans le sépulcre. Les rois se reposent dans chacun dans son sépulcre, mais tu n'es pas réuni au tien. Et on dit que les vers sont sa couche. Mais regardons, on parle de son peuple. De son peuple. Il a sa race. On parlera plus de sa race même. Vous avez vu dans les Saintes Écritures au Genèse, chapitre 1, on dit que
au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Enfin, la terre était informe, ça n'a pas de sens. La terre n'était que chaos. Et la lumière était sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, n'est-ce pas? De quoi est-ce que la Bible parle dans le livre de Genèse là? Ce qu'il vient de citer là maintenant, dans la Genèse chapitre 1, il parle de quoi au juste? Que la lumière soit? Non. La terre était informe et vide. La terre était chaos. Et on dit que les ténèbres étaient sur la terre. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, sépara les ténèbres d'avec la lumière. Qu'est-ce que la Bible en train de dire au juste? Si je ne me trompe pas, le Seigneur parle de. Si tu sais que tu vas te tromper, si tu sais que tu pourras nous te tromper, n'en parle pas. Parce que là, on sera dubitatif, mais dans soi, prendre si tu tombes ou pas. D'accord. Oui. D'accord. C'est la séparation entre les enfants de la lumière et les enfants de ténèbres. Bon, ils étaient-ils donc en ce moment donc là? Ou bien là, de parler pour un futur, pour un certain futur? Le futur. Vraiment, hein? Ok. Bon, donc, comme tu t'es trompé là. Quand je dis le futur, par rapport à l'œuvre de la croix. Oh, c'est ça. Bon. Ouvrez le. Regardez-moi le verset 12 encore. Verset 12 de Isaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Voilà. Qui a d'autres versions? Qui a une autre version avec lui? Ça, c'est lui second cela. Qui a une autre version? Amen. Version Ostéval. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer? Fils de l'aurore. Attends, relis encore. J'entends astre brillant, j'entends Lucifer encore. Relis un peu, voir. Alors, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, et entre parenthèses, Lucifer. Ok, entre parenthèses, merci beaucoup. Il faut lire avec l'entre parenthèse, d'accord mon frère? Entre parenthèses, oui. Fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Toi qui foulais les nations, ça s'approche là maintenant. Foulais les nations. Oui. Qui d'autre a une autre version? Ouais, je suis obligé d'amener cette correction, c'est avant qu'on avance. Qui d'autre a une autre version? Après 8 secondes, avec la correction, te voilà tombé du ciel, Lucifer. C'est quel 8 secondes ça? C'est 910. Ouais, c'est la correction que tu avais déjà apportée. Ok, mais tu lis, c'est qui dans ta version? C'est toi qui as écrit ça au-dessus. C'est moi qui ai écrit au-dessus. Donc ça veut dire que c'est quel 8 secondes? Tu vois, les gens de 8 secondes vont te porter plein pour le copyright. Donc, une autre version, tu veux même une autre version? Qui d'autre a une autre version? BJC, allons-y. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Lucifer. Fils de l'aurore. Lucifer. Fils. Moi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre. Voilà. Et autre version, quelqu'un tire quelque chose? À Martin. Oui. Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin, fille de l'aurore du jour? Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusque dans terre. Encore le matin. Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin? Étoile du matin. C'est quelle version ici? Mais si on va commencer par elle. Et ça, c'est. Vous avez dit Martin, David Martin, c'est ça? Oui. David Martin. Je vous le dis au nom de Jésus que nous avons besoin du Saint-Esprit. David Martin. Étoile du matin, c'est ça? Oui. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. La personne qui a lu David Martin là? Voilà. Frère Osvald, tu as quelle version à côté de toi? Parce que comme votre micro est ouvert, je vais te parler avec vous.
Quelqu'un a ouvert le micro là, c'est désagréable le son qui est derrière là. Frère Osba, tu as quelle version avec toi? Oui, c'est bon. Lui, c'est quoi? Là, c'est intéressant. Maintenant, écoutez très attentivement. Le frère William, comme vous êtes dans la même salle, ouvre-toi et le frère Osba, et faites cela. Ouvrez le livre des deux pieds, voir. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on y arrive maintenant. Je crois que la soeur Paul, que Dieu te bénisse. Tu vois maintenant, en touchant quelque chose, on est en train d'amener maintenant vers une autre direction pour corriger quelque chose avant d'avancer par rapport à ta question. Ouvrez, touche, une souris, vous ne fermez pas. Il y a le français courant ici, là. Français courant dit quoi, le père? Comment est-ce possible te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin, te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations? Toi, ça c'est français courant. Astre brillant du matin, vainqueur des nations. C'est bon, français courant, je l'ai déjà noté ici. Donc restons avec, merci mon cher frère Olivier, restons maintenant. Frère Oswald, tu as le, j'ai dit quel livre déjà là, deux pièces, c'est ça? Oui, deux pieds. Voilà. Le frère William, tu es également dans le livre des deux pieds, c'est ça? Oui. Voilà. Mais souvent, vous ne fermez pas le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Maintenant, lis-nous chapitre 1, verset 19. D'abord, 8 secondes. Allons-y. Chapitre 1, verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Soulignez étoile du matin qui doit se lever sur le cœur. C'est terrible ce qui arrive sur la terre ici. Maintenant, comme vous avez souligné maintenant, le frère William, relis-nous le même verset dans la version lui, David Martin cette fois-ci. Allons-y. Amen. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une chandelle qui a éclairé dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Amen. Maintenant, on va rester avec le cas de David Martin. Frère William, on dit que qui doit s'élever sur le cœur d'après ce qu'on écrit là-bas? Étoile du matin. Rentrons dans ta même version, dans le chapitre 14 d'Ésaïe, des verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Verset 12. Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin? Stop. Fille de l'aurore. C'est bon. Ici, on parle de qui? Étoile du matin. On parle de qui? Ah,